Versez la farine dans un grand saladier. Battez les œufs entiers puis incorporez-les à la farine. Mélangez grossièrement, puis ajoutez un peu de lait pour mélanger plus facilement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène épaisse. Incorporez petit à petit le reste de lait. Si la pâte est encore trop épaisse à votre goût, n'hésitez pas à rajouter un peu de lait. Rajoutez du sucre avant de remélanger la pâte une dernière fois. Avant de commencer la cuisson des crêpes, ajoutez le beurre fondu à la pâte. Beurrez ou huilez une poêle. Laissez chauffer la poêle avant de verser la pâte. Faites attention à bien regraisser la poêle de temps en temps avec un essuie-tout. Une fois le premier côté prêt, vous pouvez retourner la crêpe. Les crêpes sont prêtes à être dégustées avec du sucre, de la pâte à tartiner, de la confiture, etc. Pour les conserver quelques jours, placez-les au frigo et n'oubliez pas de les filmer pour éviter qu'elles sèchent.